Après une année de prière au pays de l'oncle Sam, le couple Kevin et Axa Kaseya est de retour à Kinshasa. Il a été officiellement présenté à la communauté du combat spirituel le dimanche dernier. Le couple a publiquement demandé pardon à tous ceux qui ont été touchés par tout ce qui a été dit à leur sujet pendant les temps des persécutions. Un nouveau vent souffle sur la coopérative d'épargne et de crédit Union et Charité de la Fondation Olangui Wosho, ce avec la mise en place d'une nouvelle configuration de la gestion de la COPEC UC. C'est le résultat de l'Assemblée générale ordinaire des membres tenus à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Christ, shalom et bienvenue. Kaseya, Balongani Kaseya, en la personne du frère Kevin, Nandeko ya frère Kevin, et de la sœur Axa, Nandeko Axa, alors. Après une année de prière au pays de l'oncle Sam, le couple Kevin et Axa Kaseya est de retour à Kinshasa. Il a été officiellement présenté à toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel le dimanche 8 mai par le président de la fondation Olangui Wosho, Papa Alain Gabriel Olangui. Quand je dis que le prince de la paix vous donnera la paix ce jour, saisissez cela au nom de Jésus. Malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les calomnies, malgré les mensonges, le prince de la paix vous donnera la paix. Vous donnera la paix. Avant de placer son mot, la messagère de Jésus, Dr Axa Kaseya Olangui, a commencé par un chant de réconfort. J'aimerais chanter un chant qui nous fait énormément du bien ces derniers temps. Ozwanga bomwana kumama papa Kisi asoni kumama papa Ozwanga bomwana kumama papa Kisi asoni kumama papa Ozwanga bomwana kumama papa Kisi ya soni kumama papa Dans son mot, la servante de Dieu a publiquement demandé pardon à tous ceux qui ont été touchés par tout ce qui a été dit pendant le temps des persécutions que leur couple a passé sous la permission de l'Éternel lui-même. Je suis dans la joie d'être parmi vous encore. Après une année exactement, comme vous le savez, après tout ce que nous avons rencontré après notre mariage, sous les directives du Saint-Esprit, il était important que nous puissions nous retirer quelque part. Dans la prière, pour bien solidifier notre mariage. Et le Dieu de nos parents ne nous a pas abandonnés. Il nous a bénis avec une très jolie petite fille. Carni Abracha Kaseya, qui est vraiment une bénédiction pour nous. Azali Penzali Paboli pour la biso. C'était pas facile. Ezali Petete Bandeko. Mais par la grâce de Dieu, Kasinangolo Nzambe, cet enfant est né. Monana Potamaki. Je suis très reconnaissante au Dieu de mes parents. Nazali Kotonda Mingi Nzambe Baboti Nanga. C'est une grâce. Ezali Ngolu. De se marier. Yakopala. Et de concevoir. Pe Yakokumba Zemi. Parce qu'il y a plusieurs femmes. Pote Ezali Basi Mingi. Qui se marient. Oba Palaka. Mais qui passent des moments difficiles de stérilité. Tsubale Kakami Kakatano Yakosa. Mais le Dieu de la JCC, le Dieu du couple Olangui, ne nous a pas abandonné. Il nous a béni avec cette petite fille. Il nous donne le sourire tous les jours. J'aimerais encore dire un mot. J'ai lu le livre de Job.
Job, un enfant de Dieu. Yobo, moi, un serviteur de Dieu. Mosali, intègre. Il connaissait le Seigneur. Le Seigneur pouvait même, comme on dit, le Seigneur pouvait battre sa poitrine pour lui. Mais le Seigneur lui-même, il avait permis que Job puisse traverser ces moments difficiles. Quand je lis dans Job chapitre 23, le verset 13, lorsque la souffrance de Job était tellement élevée, lorsque les persécutions de Job étaient tellement élevées, il a dit ceci: l'Éternel Tout-Puissant a décidé, qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il exécute. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, chacun a son témoignage, chacun a son parcours. Et moi, les persécutions que j'ai traversées, ça fait partie de mon témoignage. Et je peux dire aussi aujourd'hui, comme Job, l'Éternel avait décidé cela. Qui pouvait s'y opposer? Ce que son âme avait désiré en ce moment-là, et il a exécuté. Et j'en suis sorti avec mon mari, avec beaucoup de délivrance, avec beaucoup de témoignages. Et ne serait que par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de témoigner. Mais j'aimerais aussi en profiter pour ce moment, parce que dans l'assemblée des enfants de Dieu, nous avons aussi des âmes faibles. Toute personne qui a été blessée par tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été raconté, mon mari et moi, nous vous demandons pardon au nom de Jésus-Christ. Trouvez la place dans vos cœurs pour nous pardonner. Et au fur et à mesure, lorsque dans le temps de Dieu, nous aurons à témoigner, et le Seigneur va édifier chacun d'entre nous pour comprendre pourquoi le Seigneur nous a fait passer par cela. Que Dieu nous bénisse tous. Je vais passer la parole à mon mari. Son mari a aussi abondé dans le même sens. My wife and I recognize that we've been a stumbling block for many of you. Mon épouse et moi, nous reconnaissons que d'une manière ou d'une autre, nous avons été une pierre d'échoppement pour plusieurs d'entre vous. And sincerely today, we are asking for your forgiveness. Et sincèrement, en ce jour, nous vous demandons de nous pardonner. God bless you all. Que le Seigneur vous bénisse tous. Le couple Kaseya a promis qu'au temps prévu par le Seigneur, il donnera le témoignage des révélations, des victoires obtenues pendant ces 12 mois de recherche profonde de la face de Dieu. L'homme et la femme ont terminé par remercier toute la grande famille du combat spirituel pour son soutien pendant cette épreuve. Pour celui qui va te donner la paix, qui va te donner la paix dans ton foyer, qui va te donner la paix dans ta famille, qui va te donner la paix dans ton travail, acclamons très très fort pour le prince de la paix. Bota maboko makasi, wa kopeso kimia na libota na yo, na libala na yo, betela maboko 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 maboko. Donc, Boye, le conseil d'administration, Likita. Un vent nouveau souffle sur la coopérative d'épargne et de crédit Union et Charité de la Fondation Olangi Osho, ce avec la mise en place d'une nouvelle configuration de la gestion de la COPEC UC. 4 organes ont été mis en place à l'issue des 4 semaines d'Assemblée générale ordinaire tenue à Kinshasa. Ces organes sont le conseil d'administration avec comme président Papa Alain Gabriel Olangi, le conseil de surveillance présidé par Papa Roger Ngewazi, la commission de crédit sous la présidence de Papa David Matumele, enfin la gérance qui est désormais confiée à Papa Ali Awuka Okonda. Un tiers des membres de la nouvelle configuration a été élu à la majorité des participants à l'Assemblée générale ordinaire de la coopérative Union et Charité.
Les membres élus présents à Kinshasa ont été présentés le dimanche à la Cité de Triomphe. Ces mises en place visent à rassurer tout le monde du nouvel élan que prend la COPEC UC, a expliqué son PCA. Le prince de la paix, mon PCA Kimia, qui a donné un nouveau souffle à notre coopérative. Oh, y a PCA paix masika na COPEC. La parole de Dieu dit ceci. Les choses anciennes sont passées. Ma kambo akale si eleki. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ma kambo nyonso ekomi asika. Je tiens à rassurer. Na kolinga COPEC tinga. Le peuple de Dieu. Na bana nzambe. Que tous ces papas et cette maman que vous voyez ont pris l'engagement de me soutenir pour relever cette coopérative que les parents nous ont laissée. Seuls, on ne pourra pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Avec l'aide du prince de la paix, nous allons y arriver. Les membres élus ont été investis au terme de la prière faite sur eux par les trois hommes de Dieu, les révérends pasteurs Jean-Pierre Kabongo, Jérôme Guyeni et Paul Kaungu, tous disciples de Jésus au ministère chrétien du combat spirituel. Voici au devant de toi et au devant de ton peuple, nous allons, Seigneur, les recommander à toi pour que tu puisses leur donner l'intelligence et la sagesse d'en haut. Après des moments difficiles traversés par la coopérative de la Fondation Olangi Wosho, après le rappel à Dieu du couple fondateur, on est en droit d'affirmer que l'heure de la résurrection de la COPEC UC a sonné avec la nouvelle configuration. L'adoration de la paix, le dimanche 8 mai dernier, dans tous les sièges de la Fondation Olangi Wosho à travers le monde. Au siège international de Kinshasa, le dévolu de l'Éternel était porté sur son serviteur, le révérend pasteur Paul Kaungu, pour nous parler de sa part. Le disciple de Jésus nous a rassuré qu'en Christ, nous avons la paix, la véritable paix que Dieu seul donne. En effet, notre Seigneur sait que nous faisons face à plusieurs situations qui nous ôtent ou tentent de nous ôter la paix. Et ce dimanche, il a décidé de nous apporter sa paix comme il l'a fait après sa résurrection lorsqu'il est apparu aux disciples enfermés dans une maison par crainte des Juifs. Il leur a dit « La paix soit avec vous ». Jean 10, 21. Les portes fermées, Jésus fait son apparition. Parce que lui n'était pas avec eux. Il dit « Que la paix soit avec vous ». Pourquoi Jésus était résisté? Il n'était pas monté le même jour. D'abord, il voulait apaiser les esprits des apôtres. Il voulait tranquilliser les apôtres. Il voulait amener un climat de paix. Il voulait harmoniser son équipe. Parce que c'est l'équipe qu'il avait formée pour la moisson. C'est l'équipe qu'il avait formée pour recevoir les équipement du vin. Il dit Thomas, tu m'as vu déjà cuit. C'est quand le col aille au moni on dit prends tes doigts. Parce que tu doutais, tu as dit que si je le vois pas, si je touche pas, c'est là où on l'a blessé, je ne dois pas accepter. Thomas, ce sont des gens qui crucifient Jésus encore là-bas. Thomas, ce sont ces gens dans le ministère qui sont en train de vilipender, de critiquer le ministère. Il ne parle rien de bon pour le ministère. Il commence à vilipender le ministère de la tête aux pieds du ministère. Thomas,
Thomas, ce soir, pourquoi le nom? Répands-toi. Yambola. Répands-toi, Thomas. Bongwana, toi Thomas. Qui es en train de me suivre. Yozola Nanga. Si tu es Thomas, Sokoza Thomas. Même tu es à la maison, tu es en train de suivre CVV. CVV. Tous les réseaux sociaux que tu es en train de suivre, si tu es écarté du ministère, reviens au ministère. Ce qui est ok, il est pendant la tombe, Zonga la tombe. Rendant témoignage de la paix obtenue dans son ministère, l'homme de Dieu, visionnaire de la communauté, ainsi dit l'Éternel, a décrié le plan de l'ennemi qui visait à détruire son mariage. Sous l'encadrement direct de ses parents spirituels, papa et maman Olangi, le Seigneur a restauré son mariage dans son ministère. Et le couple Kaungu sert l'Éternel dans leur église qui collabore étroitement avec le ministère chrétien du combat spirituel. Et la paix régnera au sein du ministère. Que Dieu bénisse sa parole. C'est la grande équipe des encadreurs de l'intercession des bien-aimés de Jésus qui a séjourné dernièrement dans le deuxième siège de la fondation Olangi Osho à Kinshasa, entendait le siège de Maluku, la commune urbano-rurale de la capitale RD congolaise. Elle était conduite par le couple Djamba, responsable numéro 2 de ce programme de prière en faveur des personnes aux prises avec les maladies médicalement déclarées incurables. Ce séminaire servait de prélude à l'ouverture de ce programme au siège de Maluku. Ainsi, les frères et sœurs ont suivi plusieurs témoignages des responsables qui ont expérimenté chacun la main toute-puissante de Jéhovah Rapha dans sa vie. De la guérison du sida à celle des cancers, en passant par plusieurs autres maladies qui donnent du fil à retordre à la science d'Hippocrate, les témoins ont su, comme ils savent bien le faire, souffler sur les braises allumées de la foi des chrétiens combattants de Maluku. Avec la tenue de ce séminaire, c'est une autre dimension que le siège de Maluku se prépare à atteindre dans les mois qui viennent, tant on sait qu'à travers les programmes des bien-aimés de Jésus et des femmes et hommes de foi, le Seigneur se manifeste très puissamment et plusieurs personnes découvrent le ministère chrétien du combat spirituel et deviennent accrochées au ministère à travers ces deux intercessions. Deux semaines de séminaire biblique à la résidence Victoire à Kinshasa. Les chrétiens combattants ont été immensément bénis à travers l'instrument que le Seigneur a utilisé, le frère John Assani de la promotion Josué de Kisangani. Il a abordé le thème de la toute-puissance de Dieu qui sonne le glas de l'action de l'ennemi dans nos vies. Le disciple de Jésus a relevé qu'en dépit de sa mission contenue dans Jean 10:10, dérober, égorger et détruire, le diable est certes puissant, mais sa puissance est placée sous le contrôle absolu de l'Éternel qui a établi son trône dans le ciel et dont les règnes dominent sur toutes choses. De ce fait, Dieu lui donne un temps de sévir à travers notamment des géants de nos familles. Mais lorsque le chrétien en prend conscience, s'engage dans le combat spirituel pour la délivrance, le Saint-Esprit l'équipe de la toute-puissance de Dieu pour anéantir tous les projets du diable. L'animateur du séminaire explique. La puissance des créateurs, c'est la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour que le diable domine l'homme, le diable va injecter le péché à l'homme. Quand il va injecter le péché à l'homme, l'homme va devenir l'homme animal. C'est alors que l'homme, le diable va dominer maintenant l'homme. Maintenant, pour que l'homme domine le diable, il faut que l'homme désire la présence du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu va descendre à toi, va demeurer en toi, tu auras la puissance de la créature et la puissance du créateur. C'est alors que tu vas dominer le diable. Ce séminaire visait donc à rappeler aux participants qu'étant créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, ils ont reçu du Créateur le pouvoir de dominer sur toutes les autres créatures visibles et invisibles. Ils se doivent de maintenir et de renforcer leur position de domination à travers une vie de crainte de Dieu et d'intimité avec le Saint-Esprit. Close.